Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto Python. Voilà. Euh, où on va faire un jeu. Et en fait, eh ben, ce sera un jeu où on utilisera Tiled Map Editor. Donc vous taperez sur. Euh... Moi j'ai déjà. Donc vous irez sur Age. Vous tapez C'est celui là c'est mapeditor.org, download on each.io. la download, il y, a, il y a tout download now, en fait vous faites ça, No text, fake, just take me the download, et vous faites installer. Ensuite, il y aura le programme d'installation, je vous laisserai faire. Et en fait, avant de l'ouvrir, vous ferez tout ce qui sera nécessaire. Vous aurez besoin d'une classe Sprite, d'une classe Game, d'une classe Main, euh, d'un du, fichier Made, d'un fichier Map, d'un fichier Player d'un autre fichier dialogue et moi je garde une surprise une surprise du chef que vous trouverez pas sur YouTube pour vraiment faire un remake de Pokémon car c'est bien beau tout ça ce que car il y a tout le monde qui fait des des combats, ok, c'est déjà bien les combats. Bon, par contre, moi je sais pas trop comment faire, donc je pourrais pas vous expliquer maintenant. Mais, j'aimerais que vous me disiez s'il y a les autres qui ont fait. Si on vous a expliqué plutôt, comment faire les événements. Je parle pas des événements touche du clavier. Hein. Je parle euh, d'une vraie histoire, d'un vrai jeu avec une histoire. Car euh, c'est bien beau. Ils vous apprennent comment bouger, ça c'est... Mais ils apprennent pas comment mettre des événements. Du coup vous aurez besoin de toutes ces classes là. On va pas tous les utiliser pour l'instant. Et en priorité, il va falloir installer les packages qui seront big game, Java, cro et P voilà on installe Et là voilà on a tout notre classbade on apporte faites En fait, dans toutes les classes, on apporte Piguève, je crois. Je vérifierai, mais dans mon autre jeu, quand j'en ai d'autres. Je peux même vous le montrer. Ah, du coup, du coup, du coup, du coup. Ah, oui, du coup, je peux vous montrer mon jeu. Quand je me souviens que je pouvais pas vous le montrer. Voilà, c'est... On peut bouger, on peut aller dans le donjon, c'est un peu après la même chose. Mais, 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 mais... Regardez bien. Là, il y a un PNJ, voilà, qui marche. Et il y a le mur, surtout, qui est bloqué. Et en fait, eh bah ben eux... Les autres Youtubers... Ils nous ont pas montré comment faire ça. À moi, de, bien sûr, de mettre... Euh... De mettre... Et regardez là, si je repasse, il n'y a plus. À moi, bien sûr, de mettre un, un PNJ fantôme. Il faudra déjà appuyer sur espace. Euh... Qui va appuyer sur espace dans un endroit pareil Et regardez. Euh, je ne me suis pas trop occupé des dialogues. Les dialogues, je les ferai plus tard. Et voilà, là, pour l'instant, on ne peut pas y aller. Mais je... Parce que pour une raison inconnue, vous verrez. En fait. Ben non, dans mon petit jeu, il n'est pas encore fini. Mais je, il est en cours de développement. Donc là, je ne me suis pas trop occupé de la chambre. Et bah ben, il y a eu d'histoire. Je ne les parle pas, vous verrez euh, en temps voulu. Quand ils disent des trucs. Euh, voilà. En fait, bah ben, je n'ai pas eu besoin d'appuyer sur l espace. Et du coup là, bah ben, il y a un tunnel qui n'était pas là avant, qui a été creusé. Et il y a tout le monde là qui sont en mode panique totale. Et là, voilà, c'est des cinématiques. Et là, il y aura une petite cinématique, je la passe. Et c'est là que je me suis arrêté. D'ailleurs, je me suis arrêté au mauvais endroit car... Euh... Ouais, c'est là que je me suis arrêté et il est en cours de, de développement. Donc voilà un peu pour euh, mon jeu en cours de développement. Regardez. J'ai utilisé ça. Voilà. À peu près le résultat final. Ça, c'est à peu près ce qu'on trouve dans, dans les explications des autres youtubeurs. Voilà. Sauf que. Attends, on y vient. On y vient, on y vient. Je la garde pour la fin. Regardez bien ça. Si quelqu'un a fait ça, j'aimerais bien voir. Donc ça, c'est pour les events. J'ai même fait une classe event. Regarde. Un event est un portail qui nous téléporte dans une autre map, différente mais très similaire. Les dialogues et les éléments peuvent donc être différents. Idéalement, le personnage est téléporté aux mêmes coordonnées dans l'autre map. D'ailleurs, je vais rajouter un truc. Pas besoin d'avoir un, un PLJ fantôme pour lancer des dialogues. Et donc, du coup, avec ça, et bah, on peut faire beaucoup de choses mais vraiment beaucoup voilà on utilisera calable et ellie et la musique et, les, et la, le combat c'est en cours de développement et après ben voilà c'est assez long et on a utilisé aussi statique méthode euh, J'ai même fait une autre classe. Classe Event Action. Donc du coup mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui on verra ça et ça. Donc maintenant on apporte game. Donc j'en viens sur notre... Donc, on avait apporté PyGame. Et pour l'instant c'est tout. Avec ça on va rien faire d'autre. Pour l'instant. On va dans notre classe et on, fera, on va faire une classe game. On va d'abord importer Pygame. Et pour l'instant, pour l'instant, je dis bien. Dans la classe game, il y a juste import game Mais on va... Pour bon, l'instant, ce sera pas comme ça. Oups. Car il faut qu'on puisse quand même lancer le jeu. Hein. On n'importe pas scroll. Pytmx. Il porte Epitavix. On fait notre class game. Donc on initialise la classe. J'ai dit qu'est-ce que c'était dans les autres... Là on va faire self.screed l'écran crois égal Egale. Game. Display. Set mode. On va mettre 630, 630. Et pour l'instant c'est tout. On va juste faire une, une def run comme dans un de nos tutos. Running égale true. While running. Um, screen save.screen. Save.screen et là 0,0. Donc, si on essaye, ça ne fait rien. C'est normal car on ne l'a pas appelé. Ben, maintenant, on va faire if Dave. Name égal égal main gabe égal gabe on l'importe, et on fait game point run Donc, si on lance vous voyez que ça marche. Seulement, faut pas trop rester là. <laughs> voilà. Pourquoi car maintenant, on peut plus quitter, à part en faisant arrêter. Donc, du coup, là, on fait Fort Event. Petit mm. Game. Event get event pour avoir un point get pour avoir tous les events if event.type pour le type d'événement égal 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 c'est à dire les touches qui sont pressées euh... bah, i... Ça ce sera pour tout à l'heure, donc là pour l'instant on change. Ce sera pas ça pour l'instant. If Kit. Donc là si on essaye. Vous voyez que la, la souris elle n'est pas en train de mouliner. Et on peut quitter. Donc jusque là tout va bien. Et maintenant le plus important, c'est qu'il faut s'occuper de Tile. Quand vous vous ouvrez, c'est comme ça. Et ben nous on va faire une nouvelle carte. On va appuyer sur Nouvelle carte. On va faire Fixer. Largeur 58, hauteur 58, largeur 7 pi 16 pixels, hauteur 16 pixels. On appuie sur OK et voilà on a ça c'est tout donc du coup on va on peut déjà commencer à dominer ce sera flou et du coup ça bah on peut rien faire on appuie ça ferra bah pourquoi parce que il faudra faire il faudra faire un nouveau jeu de tuiles. Mais comment ben Vous tapez euh RPG Nature Taille 7. Taille 7. Ah Voilà. Et Ah, voilà. Donc vous appuyez sur ça. C'est le beau IA. Euh... Yeah. D'accord. Et vous faites Download now. now. Et vous faites pareil. No text, just take me the download. Et vous le prenez en version PLG. PLG, bon, euh, PLG hein. Après vous quittez. Et vous faites nouveau jeu de tuiles. Vous parcourez votre. Euh... Oui. Moi j'ai déjà un dossier c'est Asset Styles. Vous retrouvez votre dossier. Et on pourra très bien... Euh... Tiens, vous savez quoi Je vais prendre un autre. On va prendre la couleur de transparence. Ah Alors, ce n'est pas vraiment affiché pour D'accord. Ah là là. Là, non, ça marchera pas, mais bon. Donc vous faites ça, vous l'appelez setter ou euh, ce que vous voulez, vous l'enregistrez dans votre fichier euh, mince Du coup, moi, je n'ai pas là où je peux quitter. Ah, plutôt, j'enlève ça. On ne l'utilisera pas, mais vous, vous utilisez votre Nature Type-7. Et du coup, je vous ai montré comment faire. Bah moi, je vais ouvrir le lien. Euh non, Type-7, TSX. Maintenant, c'est un format TSX, ça. Et vous enregistrez. Donc enregistrer, vous l'appelez carte. Euh, moi pour ma part ce sera carte special parce que j'en ai déjà j'ai déjà un dos de comme ça. Ouais. Alors oui. Vous faites ça. En fait, bah, on peut commencer à faire le, le sol. Alors, en fait, vous prenez, vous faites un pas à clic droit, vous prenez une surface et vous pouvez mettre comme ça et tout. Voilà. Mais nous, on veut que ce soit pour l'instant toute la surface. Donc, on va faire ce qui s'appelle un outil euh, de remplissage. Et voilà. Maintenant on a notre euh, euh, sol. Donc maintenant on fait un nouveau calque. On fait un clic droit sur floor. Nouveau calque des tuiles parce qu'on ne sera plus sur le même calque. Et on fait sol. Ah oui, du coup. Voilà. Donc du coup, pareil, vous prenez. et vous venez en outil de en tempo. Et là, vous pouvez faire un chemin. Ou bien tout simplement vous utilisez l'outil de remplissage de forme. Et là vous sélectionnez quelque chose et ça vous fait comme ça. Donc maintenant, on fait pareil pour l'eau. À nouveau, quelques tuiles. Euh, water. Et vous mettez l'eau. Moi, je vais juste faire un endroit. Alors, Attention, vous revenez, et en fait, vous allez faire, pas un clic droit, mais vous allez le prendre et vous allez le déplacer en bas du sol, comme ça. Quand on fait ça, et eh ben, ça nous le met en bas. Et c'est ce qu'on veut. Donc, je vais le remettre un peu mieux. Comme ça, ce sera bien. Donc, du coup, la notre maison, euh, on a notre carte qui est déjà prête. En fait, et ben vous allez mettre. Ok. Vous allez vous enlever du mode plein d'écran. En fait, et bah... Ben... Vous allez dans votre... Moi, pour ma part, je vais dans l'explorateur de fichiers. Le mien. Je le copie. Donc, déjà, moi, j'ai tout. On n'utilisera pas de ça, hein, mais voilà. Et du coup, déjà, on a tout qui est prêt. Maintenant, si on fait, on retourne sur Tiled. Et c'est bon. Donc, ça, c'était les bases et prérequis euh, principalement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Du coup, salut les gars!